Tipeee. On avait dit quand c'est quoi déjà pour l'intro? À quoi? Chez Disney! Prends garde, Lion, ne te trompe pas de voix. Oh mais voilà, Saint-Lazare. Prends garde, Lion, ne te trompe pas de voix parce qu'après t'arrives sur une autre ligne et les changements c'est la galère. Chez Disney! Aucune, le fou! Et j'ai jeté mon dévolu sur cette délicieuse enfant. La fille de l'inventeur! Exactement! Oh, en vrai! Aucune, le faux! Et j'ai jeté mon dévolu. Es-tu sûr au fond de toi d'avoir raison? Mais t'es malade? Mais t'as trouvé ça? Mais repousse ce truc! Je chante pour toi, le bonheur d'être jamais le droit. Le brame des mâles pourrait bien briser les montagnes rocheuses. Les femelles de l'arbre doivent pitié. Oh, Hashtag couche-tard. Hashtag travaille tôt le lendemain. Pendant tout l'été, ils sont engraissés et forcis. Moi aussi. L'histoire éternelle touche de son aile la belle et la bête. Bonjour, c'est bien ici l'entretien pour le poste de vendeur de code-barres? Oui, c'est bien ici, hein, salut-vous. Bon, tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter et de m'expliquer en quoi vous êtes la personne que nous recherchons. Alors, je suis Belle. Non, présentez-vous d'abord, s'il vous plaît, votre nom. Belle, je suis Belle. Bon, écoutez, si votre physique avantageux est le seul argument que vous avez à me donner pour me convaincre, on va devoir s'arrêter là. Non, mais je rigole pas, je suis Belle. Bon, allez, très bien. Sandrine, s'il vous plaît, faites entrer le suivant. Disney. Merci, j'ai bien retenu votre prénom, mais ma question était, est-ce que vous avez de l'expérience dans le métier de vendeur de code-barres? Je suis Vaiana! Allez, c'est bon. Sandrine, s'il vous plaît, suivant. J'ai Disney. Refusons tout de que nos lendemains. Bah monsieur, qu'est-ce que vous faites? Monsieur, c'est du voyeurisme ça. Vous allez me suivre au poste tout de suite, une nuit de garde à vue, ça vous fera pas de mal. Disney. Oui, je t'entends, mais c'est non. Vrai. Oui, je t'entends, mais c'est non. Oui, bah ça va, je viens de me réveiller. Oh, c'est toi, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était le chien. Et c'était court, non? En 4 ans, on n'a pas eu plus d'idées? Si, on en a eu plein d'autres. Ben, elles sont où? Parce que c'est la fin, là, non? Ben, elles sont dans l'épisode 4, qui sort bientôt. Mais c'est moi qui ai l'idée, en plus! Comme quoi, on oublie vite, hein, alors... T'es juste un petit peu con. Non, c'est vide.